Salut tout le monde, ici Don Pasqualino pour un nouvel épisode du Let's Play Rayman. Premier du nom, Rayman, comme je le dis à chaque fois, un très bon jeu, et comme on peut le voir avec ce Let's Play. Donc on arrive, comme je vous le rappelle, on était au deuxième level de la Cité des Images, on le commence directement. Et puis on va voir ce qui nous réserve. Parce que je ne sais pas, en fait, si j'ai, comme je vous l'avais dit la dernière fois, si j'étais arrivé jusqu'ici, ou si j'avais bloqué... Oh mon dieu. Oh mon dieu. D'accord. Oui. Non, 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 voilà, je suis mort. Non, non. Quelle chance. Quelle chance. Oh mon dieu, mais comment j'ai fait pour avoir autant de chance? Bon, est-ce qu'il y a... Ah, voilà, d'accord. Non, oui, oui, non, oui, d'accord. Bon. Ok. Alors là-haut, je pense que c'est pas le chemin normal, hein, c'est juste un bonus. Il nous attend. Sans doute une cage. Ou alors c'est le chemin normal, j'en sais rien. Je ne connais pas ce level. Je crois que là, il faut se laisser descendre tranquillement. Oh mon dieu. Non, 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 c'était pas la bonne chose à faire. Il faut que j'arrête de dire mon dieu un petit peu. Bon. On va continuer. J'ai l'impression que même si je me laisse atterrir, je glisse quand même. Ça m'embête un peu. Bon, je vais quand même retourner là-haut. Et voir si j'y trouve quelque chose de spécial. Voilà. Alors, là, je sais pas si j'ai fait une erreur ou si c'est un bug de développement. Peut-être qu'en fait, j'étais pas pile au bon moment sur ce machin. Ah voilà, ok. Bon. Est-ce qu'il y a un autre moyen de remonter là-haut que de se suicider? Ça, c'est une question que je me pose assez... Ah voilà, d'accord, oui. Vous voyez, il y avait cette petite balle qui était cachée. Un peu sournoise, hein. Non, 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 non. Oh, but. Ouais, d'accord, ouais, bon. Je fais absolument n'importe quoi. Bon. Toi, on va te mettre là. Et puis toi, tu vas revenir un petit peu plus par ici. Voilà, bon, tu es au parfait endroit. Donc, on va juste enlever celle avec le pic. Et voilà. Gardez à l'esprit. Il me reste à nouveau qu'un seul point de vie. Là en bas, je vois un nuage. Mais ça me dit rien qu'il vaille. Donc. Comment faire? Ok. Oh, flûte. Flûte, flûte, flûte. J'étais un petit peu trop près. Bon. Avance rapide, allez. Boum. On y est. Alors, une cage ici, quelque chose qui est apparu là, une petite clé qui nous permettrait d'aller récupérer ce point éventuellement, ouais. On va tenter le coup. Un point en or, ça ferait pas de mal, hein. Si on se rencontre, si on commence à rencontrer d'autres ennemis dans ce genre-là, on va courir pour aller un peu plus vite. De toute façon, on est obligé d'être petit pour arriver là-haut. Ah, d'accord, et c'est ça, oui. C'est ça que je voyais, j'aurais pu le récupérer avant, mais je crois qu'en fait il n'était pas apparu encore, c'est ça le truc. Il fallait que je passe par en haut pour faire apparaître, et lui, il est réapparu par contre. Et le point en or nous permet de nous en débarrasser en un seul coup. Bon, non, là en fait, je disais qu'on est obligé d'être petit, mais c'est faux, il suffit de se baisser. Et un photographe. Là, je pense qu'il faut courir. Alors, on a des stylos. Vous voyez la difficulté de ce jeu, rebondir sur des pointes de stylo. Et là il y a un méchant. Thank you.
On sait pas exactement, voilà. Voilà. On sort, vous sortez certainement d'une séquence qui a été fast forward, avancer rapidement, donc là je ne sais pas comment atteindre cette chose. Il y a ce fumier qui m'en empêche. Pour ça il faudrait que je pousse cette balle jusque là-haut. Est-ce que la chose est seulement possible? Ah voilà, c'est fait. Est-ce qu'elle va revenir? Ah, la force va la repousser ici, non? Mais bon, voilà. Vous voyez cette physique un petit peu qui nous joue des tours? Ah, flûte! Flûte. Voilà. Il faut compter avec une physique un peu capricieuse dans ce jeu, hein, parfois. On l'a déjà appris à nos dépens. Oh mon dieu, non! D'accord. J'aurais dû tuer ce méchant. Ok, bon. Il devrait y avoir un moyen d'atteindre, voilà. Ok. Ouh là là. Quelle chance. J'ai fait le saut parfait qu'il fallait pour atteindre ce P. Donc ça tombe bien. On continue. Un P inutile. Et puis des anneaux. Utile ou pas, ça on le verra bien. Il va apparaître quelque chose. Oh mon dieu! Mais quel est cet enchevêtrement? Ok. D'accord, voilà. Bon. On va pas essayer de prendre toutes les petits trucs. Et on arrive à la fin du level, mon dieu. C'était compliqué, mais on y est arrivé. C'est incroyable. Ouais. Bon, il était long, hein, ce petit level. Ouh là là. J'aime pas ça, une potion. Et ça, c'est. Ça veut dire. Super hélicoptère. Évidemment, un monde qui s'y prête pas trop mal, comme le monde des montagnes bleues, si vous vous en rappelez, dans la vidéo numéro je ne sais plus combien. Il nous avait permis d'expérimenter pour la première fois ce super hélicoptère, comme il est appelé, et qui permet de voler, mais de monter aussi. Et donc, il faut vraiment gérer la pression. On met sur la touche là, alors je sais pas si là en bas c'est une mort certaine qui m'attend, donc je pense que je vais pas essayer. Ah oui, voilà, d'accord. Ça, je m'en rappelle. Je me rappelle être déjà arrivé là, donc ça veut dire que peut-être. Mais à quoi ça sert ce que je viens de faire alors? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je pense que vous le sentez, vous, les niveaux que je connais le moins, que je commence à moins connaître que les premiers où ça passait tout seul, ça coulait de source. Bon, les niveaux sont plus difficiles, mais c'est aussi les niveaux que je connais moins bien, que j'ai fait moins souvent que les premiers. Et donc, forcément, j'ai un petit peu plus de peine à comprendre ce qui se passe. Oh mon dieu! Mais. Ah d'accord, le plafond nous fait du mal, c'est incroyable. Oh non! Oh non! Ah! Mais. Il y a un seul petit problème qui subsiste là. D'accord. Je fais toucher encore une fois et je meurs. Je sais pas du tout. Ah voilà. Je sais pas pourquoi ça a pas marché avant. Allez, un petit P. Oh! Oh, je savais pas que ces trucs nous faisaient du mal. Ah! Bon, on va avancer assez rapidement. Allez, à toutes! Voilà, on se retrouve, j'ai presque fait la même erreur qu'avant, mais bon,
perdre quelques petits points de vie pour les regagner droit après, ça va. C'est acceptable. Et maintenant, on sait que les plumes nous font du mal aussi. Alors là, il doit y avoir un moyen de... Oh! De se retrouver de ce côté-là. Alors là, on est obligé de gérer l'avancement de tous ces machins. Et on peut gagner un petit bonus. On va prendre le point rapide aussi. Et on va prendre une photo. Voilà, alors. Oulala. Alors ça. Et c'est le genre de truc auquel on s'attend pas vraiment. Et qui arrive quand même. Alors ici c'est bloqué. Je pense que c'est là en bas qu'on doit passer. Regardez un peu de peinture. Ouh, mais il y a une vie là-bas derrière. Plutôt sympa. Aïe, il y a sacré petit truc qui apparaissent. Alors, les développeurs de ce jeu n'ont pas vraiment de scrupules à vous faire apparaître des choses. Et comme je l'ai dit, de toute façon, le sujet, c'est qu'on est dans un monde de rêve. Donc, des choses qui apparaissent, c'est pas un jeu réaliste. On est dans le domaine du rêve. N'importe quoi peut se produire dans ce jeu, donc. Donc voilà. Mais il y a quand même une physique. Et c'est ça qui est assez drôle. Mais voilà. Bon, alors éviter les pics en descendant, c'est facile. En montant, ça allait un petit peu moins. Disons que ça va un peu moins vite peut-être. Mais sinon, là, on va pas essayer de prendre toutes ces petites bulles bleues. Parce que comme je vous l'avais déjà dit, hein, à 100 bulles. Ouh là là. Bon. Faut vraiment gérer. Et là, on va falloir attendre qu'ils reviennent parce que sinon. Ou alors, est-ce qu'on peut. Ouais, non. On est obligé d'attendre qu'ils reviennent pour le buter. Utiliser la technique spéciale de taper et de se baisser juste après. C'est une des techniques très utilisées dans Rayman. On peut aussi le faire quand on est par exemple sur un truc qui rebondit pour le faire avancer dans notre direction, dans la direction choisie. Alors là, ce qu'ils nous font, c'est qu'ils nous mettent comme à pas, comme je vous l'ai dit juste avant, des petites bulles bleues qui, si on en récupère assez, nous redonnent une vie. Mais avec la possibilité de perdre des vies. C'est exactement la même partie de niveau qu'on avait avant, donc là c'est la même chose. On va attendre le petit bonhomme bleu pour lui faire sa fête. Est-ce qu'il va se décider à revenir? Oui, le voilà. Alors, taper au bon moment, se baisser au bon moment, voilà. C'est fait. J'ai vu le panneau de fin de niveau juste avant. Il doit être pas loin de là. Ça me paraît bizarre. Il doit y avoir quelque chose de spécial ici. Non, même pas. Je pensais que quelque chose apparaîtrait là. Mais non, on arrive au panneau de fin de niveau. Ben voilà. Peut-être une cage, mais... Ils nous mettent des pics, mais on n'a pas vraiment besoin d'aller jusqu'à la cage. C'est l'avantage d'avoir pas de bras, hein. Mais voilà. Avoir pas de bras, mais avoir des mains. Oulala. Oui, alors là, oui. Ah oui, je me souviens. Alors là, on a énormément de choses, donc si on veut récupérer les bonus, il faut faire... Est-ce qu'on a toujours le super hélicoptère? Non, on l'a plus. Et si on veut récupérer des trucs qui sont en bas, en fait, il faut faire des espèces de parcours comme ça. Et si on rebondit sur un truc, après on est fichu. Parce qu'on se retrouve de nouveau en haut, parce qu'on rebondit et la réaction en chaîne nous fait rebondir jusque tout en haut, donc on va pas essayer. N-O. Le mot non en plusieurs langues. Avec deux lettres. Donc là... On va être obligé de passer par en bas. Ce qui va s'avérer pas facile du tout. Ce qu'il faut, la technique, c'est de s'accrocher. Voilà. Oh là là. J'ai failli faire une bêtise.
Alors, étant donné que j'ai aucune idée d'où je dois aller en réalité. Ah voilà. Ok, j'ai fait le bon choix. Ouh là là. Ouh d'accord. Oh. Alors, le crayon ne bouge même pas, ça va être vraiment chaud. Lui, il est vraiment justifié, hein, comme vous pouvez le voir. Oh là là. On n'a même pas... Alors là, avec le super hélicoptère, ça sera déjà difficile. Mais sans, il faut vraiment appuyer, mais à la milliseconde près. Au dixième de seconde près, je... Je sais vraiment pas comment. Il était presque, hein, là. Mon dieu, on va perdre, mais des vies, il y a des vies à essayer de... D'accord. Alors, si au moins, cette alignée de crayons était plate. Vous voyez, en droite ligne, alignée. Ce serait déjà peut-être un peu plus facile, mais alors là, ça forme une courbe. Et je pense qu'il faut déclencher l'hélicoptère au bon moment pour monter et redescendre. Ouais, c'était pas ça le bon moment. Et on va mourir une nouvelle fois. Peut-être qu'il faut pas déclencher l'hélicoptère. Ah, peut-être qu'il faut déclencher l'hélicoptère quand on est en plein milieu. On va essayer un nouveau continue. Je pense que je vais quand même rajouter des continues parce que sinon ça va être complexe. Mais je vais le faire hors caméra. Avec un code de triche. Bon. On va réessayer. Je vais essayer ce que j'ai pensé avant, c'est-à-dire déclencher l'hélicoptère. Voilà, une fois qu'on est au milieu. Mon dieu, mais je rêve. Est-ce que ce nuage sert à quelque chose? Oui. Ah d'accord, oui bon, ok. Je pensais que c'était un peu plus gentil que ça, bon. Pas grave. On n'en veut pas aux développeurs, hein. Alors parfois ça passe pas, là j'ai rien fait de spécial, hein. Je me laisse glisser. Et parfois ça ne passe juste pas. Ok. Il faut vraiment calculer. Alors là, là ça commence à être vraiment difficile. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une avance rapide jusqu'à ce que j'arrive au bout de ce passage, parce que sinon on va pas s'en sortir. Man. That's fucking stupid. Oh mon dieu. Et ben voilà, je l'ai fait. Oh mon dieu, j'ai essayé pendant des dizaines de minutes. C'était incroyable. Et j'ai même pas réussi. Mais finalement, en fait, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Voilà, vous m'appâtez avec des bonus. Non, c'était beaucoup trop difficile là. En plus, je viens de gagner une vie. Et voilà, level terminé, enfin. Et ben voilà, on a réussi. J'ai essayé pendant un temps incroyable de passer ce moment où c'était un petit peu difficile. Mais en fait, c'était pas si difficile que ça. Il fallait juste appuyer sur le bouton de direction, le garder appuyé. Et puis ça marchait. Et donc, c'est juste ça le truc. C'est que, voilà, des fois dans Rayman, on a l'impression que c'est hyper dur. Et en fait, c'est juste une technique à prendre, une technique qu'il faut savoir utiliser. Donc, vu qu'on a maintenant un nouveau level qui s'est débloqué et qu'on a pris pas mal de temps, je propose qu'on arrête cette vidéo ici. Je ferai une troisième vidéo dans la Cité des Images la prochaine fois. Et d'ici là, vous vous portez bien. Et puis, on fera d'autres vidéos. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Alors, à plus les amis !